Bienvenue sur la planète CB francophone et le web SDR. Test de connexion. Validé. Salut tout le monde, et 73-51, Dandy 33, 14 Bravo Charlie, 33-01, de retour sur le web SDR. Alors ces derniers jours, là, il y a eu pas mal de soucis, de bugs, ceci, cela et tout dessus. C'est là que, pour ma part, j'ai appris que quand ça fonctionne bien, faut plus toucher. Faut pas chercher à ajouter, modifier quoi que ce soit. D'ailleurs, derrière, vous voyez que le bandeau là est repositionné. Il n'y a plus rien. Alors, du coup, n'arrivons pas à résoudre les problèmes avec mon ami Ben. On a reformaté tout le truc. Hein. On a tout cassé pour tout refaire. Donc, nouvelle installation sur le Raspberry Pi. Donc, mis à jour, ceci, cela, remise en place d'OpenWebRX et OpenWebRX Plus dans sa toute nouvelle version. Alors là, vous voyez qu'il y a eu des changements au niveau couleur, ceci, cela. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Tout est déjà dans la première vidéo de cette série. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ce soit pour la traduction qu'on va voir au fur et à mesure, que pour la couleur, j'ai pas touché plus de 2 ou 3 fichiers. Voilà, ils sont tous à quelque chose près dans le même dossier. Voilà. Alors, la chatbox. Alors, OpenWebRX plus message log et QSE. Bon, ça, j'avais déjà mis le dernier coup. Je vais reporter là. J'ai ajouté d'autres liens, là ici en bas à gauche de la chatbox. Donc, le lien du forum, normal. On l'a là. Qui renvoie dessus. Qui est très grand. On a Cluster DX, puisque de toute façon aujourd'hui de plus en plus de gens font de la EQSL et plus de la simple QSL. C'est bien dommage, mais bon, l'évolution est là. Alors on s'adapte. À la sauce pays. Alors c'est le lien du site de justement mon ami Ben. C'est lui qui gère le web SDR. Là pour ma part, je fais que la partie déco et traduction. Lui, c'est vraiment le travail en profondeur côté logiciel. Quand on est un expert en informatique, hein, je parle pour lui. Petit clin d'œil en passant. Ah, je saute sur l'occasion. Les traits que vous voyez là comme ça, ça n'a rien à voir avec un problème technique venant du logiciel. C'est la visualisation, comme là, tac, c'est la visualisation des bruits qui courent sur les ondes. Tout simplement. Au moment où ça passe, vous montez le volume et vous entendez un quick qui va d'un seul coup traverser. Là, et bien là, il y a dû y en avoir 3. Forcément. Donc revenons à ça. Là, ici. Zut. Voilà. QRZ. Alors, QRZ local, QRZ DX. De toute façon, QRZ veut dire indicatif. Alors, indicatif local, indicatif DX, comme on veut. Bon, ben là, QSO. On reste dans l'ambiance CB, radio. Puis bon, ben, envoyer le message. Vous voyez, la couleur là aussi a changé un petit peu.
je me suis dit que bah, vert, enfin non, jaune-vert. J'ai pas trop dérivé sur le vert. Parce que quand on regarde un bouton avec un voyant, quand c'est à l'arrêt, c'est rouge. Quand c'est en marche, c'est vert. Donc là, je me suis mis à mi-chemin. À mi-chemin entre jaune et, vert. Là, je trouve que ça fait pas mal. Ça fait plus voyant. Et oh! Donc là, on a vu que, bon, j'ai remis mon message, réception coupée quand je suis en fréquence ou quand ou en cas d'orage. Oui, le WebSDR est branché sur la Sigma Mantova 8. J'ai à côté, sur l'autre pignon de la maison, une Sirio GPA 2745. Mais bon, il n'y a que 10 mètres entre les deux antennes. Là aussi, je ne veux pas jouer avec la puissance envoyée au niveau du poste, qui risquerait de me griller le SDR Play qui me sert de récepteur sur le Raspberry. Qu'est-ce que je vais rajouter? Là, non, rien de plus. Les canaux d'ajouter. Alors, ce jaune pisse, j'aimais pas trop. Là, ça fait un petit peu plus flamboyant. J'aurais pu aller dans les bleus, mais je me suis dit qu'en bleu, il y en a qui, ceux qui ont des problèmes de vue, ils risqueraient pour le coup de ne pas voir les canaux affichés. Alors, là, vous voyez, il y a une étoile. Alors, partout où j'ai mis des étoiles, ça symbolise les canaux d'appel. Voilà, on démarre au canal 1 en deux fois inférieur. Fréquence d'appel DX 19 deux fois inférieur. Limite des 40 canaux deux fois des 40 canaux inférieurs. Bon bah là, limite 40 canaux normaux. Quelques fréquences ciblées comme ça. 5 normales, j'ai pu me rendre compte qu'on avait également les Italiens. D'ailleurs, on voit à la trace. Les Italiens comme sur le 5 sup. Bon, les USA là, ici. Canal 11 FM, vous voyez, ça bascule automatiquement. Et la couleur avec. Tout à l'heure, on était par là. Là, on est pile dessus. 14 TW. Alors, TW n'a rien à voir avec le micro TW232DX. Là, c'est TW-HI3Q. C'est TW... Hop là, je l'ai raté celui-là. C'est TW pour Takiwalki. Donc, poste portatif 27 mégas qu'on avait autrefois ou que... je sais pas si ça se voit toujours. Avec, à l'époque, on avait une grande antenne télescopique qui faisait bien 1 mètre, 1 m 50. Ah oui, facile. Bon, canal 19, hop, vous voyez, ça a basculé là-dessus. Ah, on le voit bien. Canal 26 Québec. Là, c'est un canal de rendez-vous des OM du côté j'étais au Québec. Montréal, voilà, de ce côté-là, Montréal et les environs. Canal 27. Ok, vous voyez, toujours la petite étoile. Là, canal 31 FM, nord de l'Europe. Canal 32 USB. Ouais, je crois que c'est USB. Faut que je vérifie. Fréquence d'appel DX de certains pays. Non. Fréquence, n'importe quoi, il n'y a pas d'étoile. Fréquence moniteur du groupe Kilomac. En plus, c'est marqué. Canal 35, LSB, voilà, là je comprends mieux. C'est fréquence d'appel DX de certains pays, comme l'Australie par exemple. Je crois que il y en a d'autres aussi. Hein. Bon, ben, canal 38, LSB.
fréquence d'appel DX, LSB, sur les 40, toujours sur les 40 canaux homologués. Voilà, là il y a quelque chose qui passe. Pour zoomer comme ça, je rappellerai comment faire. Bon bah, canal 40, limite des 40 canaux homologués. 44, fréquence d'appel DX. Il serait pas mal qu'on y retourne un peu plus souvent dessus. Là, nos amis italiens. Bon, ils font la même chose que les Américains sur le canal 6, sur leur... voilà. Que ce soit italien ou américain, ils sont sur leur canal habituel, tout simplement. Hein. Ils foutent pas le bordel comme chez nous, ça se passe sur les fréquences d'appel. Voilà, 52. Alors, l'affichage comme ça, c'est pour rappeler les anciens postes CBI, d'autrefois, les anciens postes non homologués. Quand on passait des canaux homologués en inférieur ou en sup, la lettre changeait. Alors, sur les postes homologués qui ont été débridés par la suite, non. Qu'on soit inférieur, normaux ou sup, l'affichage reste le même. Donc là, c'est vraiment pour rappeler ces anciens postes, où là, ben, quand on bascule sur les sub, ben, moins 41, 42, et ainsi de suite. Alors, canal 58, du groupe Bravo Golf. Ça fait des années et des années qu'il y a au Québec. Ça fait des années et des années qu'ils sont là. Alors, le groupe Bravo Golf existe depuis les années 70, hein. Quand même. Là j'ai mis en test, alors 54 UK, 59 UK, j'ai vu que a priori ça serait deux canaux d'appel en FM sur les SUP hein, au niveau de l'Angleterre. Bon, limite de bande, non, limite des 40 canaux SUP, limite de bande ici, sur le 27-985, car après c'est radio amateur. Mais bon, déjà, du canal 41, ouais, bon bref, du canal 41 au 11 de fois sup, on est toléré seulement. Hein. Alors certains prennent ça pour un acquis, non, on est simplement toléré. Le seul acquis est qu'on le garde le plus longtemps possible, je vais y arriver. C'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ce où j'ai marqué précisément... Voilà. CB devant. CB, le canal, c'est pour indiquer la portion qui sont vraiment que sur les 40 canaux homologués. Et partout dans le monde en plus. Hein. Alors... Zut, je suis pas prêt. Ah, on va l'avoir. Zut, oh ben n'importe quoi. J'allais chercher le volume, mais je l'ai perdu. J'ai fait F5 à la place. Bon, ben tant pis. Il m'en faut d'autres. Bon, c'est pas grave. Alors, dans la nouvelle version d'Open WebRX, j'ai remarqué qu'on a perdu la présélection des canaux mémoire. Des canaux fréquents, je veux dire. Mais bon, non, c'est pas là. Ici, tous les modes sont là quand même. Hein. Au fait, j'ai vu qu'on n'a pas redésactivé. Bon, ben on verra bien. Quoi que je vois en bas de l'écran à gauche, le serveur CPU, il est très bas. Hein. 12%, j'ai jamais vu aussi bas. Comme quoi, ça valait le coup de tout casser pour tout refaire. Je disais donc. Oui, les modes digitaux sont toujours là. Donc, à chacun de votre côté, après, de retrouver les fréquences. Ah, à propos de fréquences, ouais, je peux... Ce que je recherche dans un premier temps,
c'est trouver les fréquences moniteurs de quelques clubs DX. Pas des clubs footeurs de troubles. Elle chie trois coups. Mais les clubs cuiront. Voilà. Bon, je sais que pour certains, ce que je viens de dire, c'est leur, ça va pas leur piquer les yeux, mais ça va leur piquer les oreilles. C'est pas grave. Ça, c'est fait. Alors, au niveau traduction, l'ajout dessiné, donc là, ben là c'est très clair, hein. Nom, fréquence, modulation. Là, comme on voit, je suis sur le 555. Ok, ça s'affiche automatiquement. Voilà, ok. Là, tous les trucs sont à nouveau retraduits. Voilà, réglage du volume on off. Voilà, volume. Là, niveau de la corde de la fréquence. Alors, par défaut, j'ai mis 500 Hz, mais chacun fait comme il veut. Le squatch. Alors, comme ça, en traduisant, j'ai pu apprendre que, qu'il y a d'autres fonctions avec le squatch. Clic long dessus ou clic droit. Tac, voilà. Là, on voit ce que ça donne. Reclic droit. Clic long. Tac. Là, il s'est mis automatiquement. Il s'est ajusté automatiquement. Ah ben oui, ah ben oui, voilà. Ah oui, d'accord. Non, c'est clic simple. Dessus, il se rajoute automatiquement. Ou alors, j'attrape le curseur. Et avant, je m'embêtais à chaque fois avec le curseur. Quand je passais en FM. Il suffit juste de faire un clic dessus. Et clic droit pour retrouver le scan. Alors là, en réglant le... À vous de tester. Je ne l'ai pas encore testé, ça. Tac, voilà. Ici... C'est en ajustement auto. J'aime pas trop. J'aime bien rester maître de la bête. Donc là, on joue sur les pré-réglages que j'ai fait de mon côté. Alors, l'ajustement auto est sur le premier. Tac, clic droit. Ça se rajuste automatiquement. Nouveau clic droit pour revenir à la configuration par défaut. Donc là aussi, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, un truc qui est sûr, c'est que vous voyez le vue-mètre en bas, il est plus bas qu'avant. Alors, il joue en même temps avec ce réglage. Définir les couleurs du waterfall. Là, je pousse. Vous voyez, en bas, à droite, là, on est déjà beaucoup plus haut. Beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin. Bon, évidemment, l'image est dégradée, mais le curseur, le vue-mètre en bas, il s'affole. Là, je le mets à fond. Là, il s'est complètement... On a beaucoup moins de trucs. Ah oui, d'accord, non, c'est normal que j'entendais pas. J'avais laissé la fréquence complètement à gauche. Je voulais écouter là les bruits. Donc là, vous voyez, ah ben voilà, là ça va mieux. Comme dirait l'autre, on le refait. Donc là, on voit bien que là c'est vraiment l'extrême. Ah oui, regardez en bas à droite. Là, on est complètement à fond. Alors, comme quoi, quand on cherche des réglages et tout, qu'on s'embête et tout, ça, qu'on n'arrive pas à régler comme on veut, ben, en fin de compte, c'est sur ce curseur-là, définition de couleur du waterfall, qui influence tout le reste. Et là, paf, je le mets à 100 dB, qui me réduit tout. Donc, j'ai trouvé un compromis à ce niveau-là. En mettant à 40 dB. Là, c'est pas mal. L'autre, c'est pareil, je l'ai réajusté un petit peu. Je l'ai descendu à... Ou plutôt, je l'ai réglé à
à moins 70. Sur la précédente installation, c'était moins 73. Quand j'étais sur la clé RTL-SDR, je crois que je devais être dans les 40 et quelques, je sais plus. Donc après, c'est à chacun de son côté. Je parle pour ceux qui veulent faire du WebSDR ou du SDR avec OpenWebRX. À chacun de voir ses réglages suivant son installation. Hein. Et bon, là comme ça, là je trouve que là, vu le vu-mètre, vu ce que je vois là, c'est pas mal. Alors au démarrage, on est sur un ton... alors le gris qu'il y avait au départ, je trouvais pas beau. La plupart des voix BSDR sont gris. Et... ben, je suis pas un mouton. Ça, c'est un petit peu comme l'histoire de la mode. À la télé, on vous entend dire, ou à la radio, la mode cette année, ça sera ça, ça, ça. Et derrière, vous avez tous les moutons. Ok, bon, ok, c'est comme ça, et bien on va faire comme ça. Au lieu de faire notre propre mode. Pour ma part, j'ai préféré avoir quelque chose qui me plaît. Déjà, si ça me plaît à moi, c'est déjà pas mal. D'où le changement de couleur par défaut total. Que ce soit sur le waterphone, parce que là je vais vous montrer le waterfall, il est ici. Tac. Là, si je clique sur couleur par défaut, il y a une division, on va dire c'est comme ça, entre la couleur par défaut au démarrage et quand j'appuie sur le bouton. C'est un petit détail que j'ai pas trouvé, mais bon, c'est pas grave. Chacun fait ses choix de son côté. Et là, j'adore comme ça, ça fait nocturne. Oui, ça fait nocturne. Moi, j'aime bien. Et le grisonnant qui ne plaisait pas du tout avant, je l'ai foncé. Il est toujours sur gris, hein, mais gris foncé. Et le bandeau du haut, je l'ai complètement retravaillé. Alors, en parlant technique, ce bandeau, ben, c'est une image. C'est une image, c'est une bande fine qui fait toute la largeur de l'écran, sur lequel j'ai retravaillé les contrastes. Alors en retravaillant les contrastes, contraste lumière dessus, ça le dégradait. Donc j'ai joué sur les flous pour arriver à ces résultats. Moi je trouve ça pas mal. Ouais, j'aime bien. Et en plus, en bas à droite, le zigzag. Voilà, ça, quand on arrive dessus au départ, c'est comme ça. Là, on voit on voit bien la nuance et tout, ça. Je clique dessus, et là, il y a un aspect bleuté. Alors, j'ai fait ça avec sur le logiciel vidéo, de photo, image, en jouant avec le pinceau. Autrement dit, je me suis mis en dehors de l'image. J'ai pris le pinceau rond flou sur le pourtour, rond flou maximum sur le pourtour, et en dehors de l'image, tac, j'ai balayé d'un bout à l'autre. Et pour le bas, j'ai pris pareil, toujours le pinceau avec le rond flouté, en bleu ce coup-ci, en extérieur de l'image, pour juste que ça imprègne comme ça, gentiment d'un bout à l'autre, sans aller dans l'extrême. Alors, et cette couleur gris, alors par défaut, voilà, j'avais choisi ça, voilà, que j'ai reporté là. Là, on est dans le noir. On est dans le noir, et j'aime bien, c'est comme ça que j'ai commencé, là, sur la précédente installation. Ouais, j'aime bien, mais du coup, on perd les dégradés. Alors, pour retrouver les petits effets, ben, vous cliquez là. Vous choisissez là, dans la boîte de dialogue, la boîte à outils là en bas à droite. Et vous choisissez ce que vous voulez. Lui. Le bas noir. Marine. C'est mieux quand c'est en français. Hein. Je parle pour moi là. Bleu. Tapis. Vert,
rouge, marron, et la couleur de démarrage, gris. Alors ici c'est pareil. Alors j'ai pas touché les noms sauf le premier. Je me souviens plus ce qu'il y avait d'origine. Et je me suis dit que ben, tel que j'ai fait là, ben, ça correspond à la lavande. Donc là pour le coup, pour rester dans l'énoncé du reste, j'ai mis lavande en anglais et puis voilà. Turbo. J'ai un peu de mal, je vois pas trop ce que le changement. Je comprends pas trop. Legacy. Ah, Legacy, j'aime bien. Il est en noir et blanc. Ça fait vraiment sympa, quoi. Zoran. Ah, là, c'est vraiment sombre. Là, on est dans le noir complet. Donc, je vais remettre par défaut ce qu'il y a au démarrage du WebSDR. Donc là, c'est nickel. Pour plus de détails, rendez-vous sur le forum La Planète Sibi Francophone, rubrique logiciel. Hier soir, cette nuit, la propague est allée vraiment loin. Loin dans la nuit, puisque vu que je bosse la nuit et tout, cette nuit, je me suis décalé sur 14h du matin. Et j'ai passé la nuit du côté des 40 canaux. Ça arrivait en AM. D'un peu partout. C'était pas mal sympa. Tout à l'heure, je disais que je cherchais des fréquences de groupe, des fréquences moniteur de groupe de DX et autres groupes. Si j'ai la place de les ajouter sans que ça fasse surcharger, impeccable. Là, si vous avez l'info avant moi, j'aimerais bien confirmer quelle est la fréquence, le canal d'appel en Angleterre sur la partie sup. Bon, pour la partie 40 canaux, bon, bah, pas de problème, hein. C'est comme nous, à quelques détails près. Mais sur cette tranche de fréquence haute, je me suis jamais trop penché dessus. Donc là, je recherche des infos de ce côté-là. Allez, place à l'écoute. Je laisse comme ça, je fais quoi? Ah, je vais mettre comme ça. Alors, mais qu'est-ce que je dis comme E? Je me rends compte, c'est affolant. Ça, quand on dit E, c'est parce qu'on réfléchit en même temps à la connerie qu'on va sortir. Hier après-midi, j'ai tout retravaillé, la traduction, puisque mon ami Ben avait tout remis en place et tout, ça, tout peaufiné et tout. Donc, pour ma part, là, j'ai passé la journée hier là-dessus. Traduction couleur, ça, je me suis bien amusé. Hachi. Ah, il y a des trucs qui passent. Hop là. Zut, ça s'est arrêté avant. Zut, les traces sont arrêtées avant. Ah oui, le filtre. Surtout, utilisez-le. Il est là pour ça. Parce que, écoutez ça. Ça saoule au bout d'un moment. Donc, utilisez le filtre. Il est là pour ça. J'étais parti pour dire un truc, moi, avant ça. Ouais, bah place à l'écoute. Ça y est, téléphone.
Il y en a qui font les petits tests. Un truc que je trouve sympa, c'est que le logiciel est vachement précis au niveau carrage en fréquence. Ça fonctionne. Voir un peu ce que ça donne. Okay. Ah, je sais pas, j'arrive pas à voir si c'est en AM ou en FM. Ce qui est chiant en FM, c'est que. Ah, c'est en AM. Faut jongler. Faut jongler entre la recherche, là on va à la pêche, et puis les effets de teinte. Et là on découvre des trucs, on découvre des stations. Là comme ça ferait presque mal aux yeux. Un petit coup. Là, comme ça dans le noir, ça fait plus dantesque. Ah oui, hier, il y avait les départements français qui passaient et tout ça, c'était super. Ah, ah. Début. Là. Non,
Alors eux, ils ont des super postes tuning et tout ça. Là, alors à chaque fois, c'est des Midlands. Hein. Je vois là ce truc là. Est-ce qu'on va en avoir? Non. Tiens, voilà. Vous avez vu? On a eu le bruit avec. Tiens, voilà. Voilà. Bon, belle petite démonstration au niveau de ça. Je vois que... là. Un autre qui s'est arrêté avant. Toc. Là, on a eu un truc. Je suis en train de faire la chasse au bruit spatial. Un extraterrestre qui arrive. Oups, trop tard. Pour les nouvelles teintes, chacun pense sur ce qu'il veut, chacun fait comme il veut. Mais moi, je peux, comme je disais tout à l'heure, je suis pas un mouton, je vois pas pourquoi je ferais pareil que les copains. Wow. On sait de quel côté la propague. Revenu là sur le 19 parce que vu la période où on est, on devrait pas tarder à voir les départements français et tout là qui passent en AM et ça va être super. Hop là. Déjà là, on a l'Italie sur le 19, c'est que vraiment la propague est là. C'est les OM qui manquent, qui sont pris par ailleurs. Hein. Vu l'heure, bon, on est en plein après-midi. Il y en a qui travaillent et tout, hein, et puis aussi, lâchez un peu Internet, là, mettez-vous sur les ondes. Il n'y a pas que Internet, dans la vie. Donc voilà, 73-51 tous. Bon QSO. À la prochaine.